Le soir du 28 septembre s'est tenue la première du temps attendu No Time to Die de Daniel Craig. Le prince William et Kate, le prince Charles et Camilla ont assisté à l'événement. Tous les yeux ont été rivés sur Kate Middleton et sa robe dorée à cape. La duchesse de Cambridge avait tout l'air d'une déesse étincelante dans cette robe signée Jenny Packham. La femme du prince William a volé la vedette à presque tout le monde, même à l'agent 007 Daniel Craig. Kate Middleton avait tout d'une bon girl, The Royalist la décrit même comme la meilleure bon girl royale qui aurait enflammé le tapis rouge du Royal Albert Hall. Toujours selon ce magazine, la duchesse était si éblouissante que même le séducteur aime. Bon, Daniel Craig ne savait pas trop quoi dire. Vous êtes vraiment ravissante, a-t-il dit en saluant Kate Middleton. Pendant que sa femme, et mère de ses enfants brillait, le prince William, tout en étant classe, s'est fait un peu discret. Le petit-fils d'Elisabeth II a également tout d'un agent secret de Sa Majesté. Le prince William a fait 3 semaines de stage commando dans les services secrets pendant 3 semaines en 2019. Le prince William a fait des stages au sein des services secrets britanniques. Pendant la première semaine, il avait été au MI6, le réel service de renseignement employant l'agent 007 dans les films. Après ce stage d'une semaine au MI6, le prince a passé une autre semaine au MI5, le service antiterroriste de Sa Majesté. Enfin, pour la troisième semaine, le prince a passé une semaine à la base ultra secrète du GCHQ à Cheltenham. Ce n'est qu'à la fin du stage que le palais de Kensington avait tout révélé. À propos de ce stage, William a déclaré, passer du temps au sein de nos agences de sécurité et de renseignement, en comprenant mieux la contribution vitale qu'elle apporte à notre sécurité nationale, a été une expérience pleine d'humilité. David, le chef des opérations antiterroristes du GCHQ quant à lui, complimente le prince William pour son parcours. À ce propos, il a déclaré, William a travaillé d'arrache-pied pour s'intégrer à l'équipe et a su se faire une place parmi des analystes et des opérateurs hautement qualifiés.